À présent, la lecture de cette décision émanant du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, décision numéro 001/PR/PM/MEPA/SG/2017 relative à la production et à la distribution de la viande fraîche dans la ville de N'Djamena. Il m'a été donné de constater de graves manquements aux règles d'hygiène dans la préparation et la distribution de la viande fraîche dans la ville de N'Djamena. Il en découle des conséquences qui affectent la santé des consommateurs. Afin de limiter la prolifération des viandes d'origine et de qualité douteuse, les dispositions suivantes doivent être scrupuleusement observer. Décision numéro 1, l'introduction dans la ville de toute viande fraîche à partir des provinces est interdite. 2, l'abattage des dromadaires se fera uniquement à l'abattoir frigorifique de Farcha. En revanche, les aires d'abattage en sont notamment exclues à partir du 3 octobre 2017. 3. La commercialisation de la viande fraîche sur des bâches et autres étalages est interdite. Il est demandé aux autorités administratives et aux agents de l'ordre de prêter main forte aux inspecteurs sanitaires vétérinaires dans l'application des présentes directives. J'attache du prix au respect strict de ces instructions. N'Djamena, le 2 octobre 2017, c'est signé du ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Dr. Mahamat Anadif Youssouf. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé-Tchad.